Et parti. Regardez les gens qui sont en train d'arriver. Ok, donc j'ai pas de drop de fram. Comment? Fram. Frames. Paramètres Windows. Ouais, par contre, c'est un peu lent, par contre. Oh, non, non. Non, parce que je suis à... Enfin, en upload, ça a l'air d'être bof, en ce moment, là. Bon, moi, je ma pas santé. Oh, bah, ça va, au moins, c'est regardable. Ouais. Je suis chez mon père avec la... Non, mais j'ai toujours la fibre chez moi. Hein. Enfin, quasiment toujours. Ça fait 5 ans que je... Ça fait 5 ans que je vais la stream. Alors, monter un peu mon son... Ok. Je suis pas à Paris même quand même, hein, faut pas déconner. Après. Voilà. C'est fait. Donc il reste 11 minutes 38, 37. Ouais, c'est bon, t'as une demi-seconde de décalage avec moi. Ouais, je dis 34 quand ça passe à la... 34-99, ouais, voilà. Et gros, j'ai essayé ma repartie. Ouais. Ouais, j'ai gagné ce jeu. Eh, écoute, ça aurait pu être pire comme jeu qu'on pouvait gagner. Mais en même temps, Il y a une autre Japan Expo. C'est une Japan Expo où on pouvait gagner Ever Oasis sur Pokémon. Mais c'est trop bien ce jeu. Je sais pas, j'ai trouvé mieux lâcher. Franchement, pourtant je suis pas exigeant concernant les jeux, mais là je l'ai trouvé absolument nul. Ça n'engage que moi, bien sûr. Hein. J'aurais pu au moins gagner Pokémon. Ouais, vite fait. Après, let's go, je compte pas claquer 60 balles dedans, mais. Ah, moi aussi. Je vais jamais claquer 35 tours dans un jeu Pokémon. Mais... Bah, en fait, le truc, c'est que les jeux Pokémon, soit je les gagne, soit je les prends chez Auchan, genre deux jours de la sortie, quoi. Deux jours avant la sortie. Déjà, avant, les jeux, c'était sur 3DS. Sur toute console portable, du coup, les jeux, c'était deux fois moins cher, quoi. C'est ça. Allez, 10 minutes. Je sais. Apparemment, on t'entend pas, Johan. Alors, je vais augmenter le son du bureau. Attends. Là, ça devrait être bon. Et ouais, j'ai une fenêtre ouverte, patronne. Parce que ma mère cuisine et apparemment. Enfin, j'ai déjà vu tout à l'heure, l'odeur était insoutenable quand je suis descendu. Donc, c'est une bonne chose que la fenêtre soit ouverte. Que je suis dans une roue, il y a pas mal de trafic du coup, donc. T'as vu ta bite ? Franchement, pour Paris, c'est la campagne. Enfin, pour la région parisienne, c'est la campagne, chez moi. Ouais, j'entends les voitures aussi, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux augmenter un peu ton son, Yoran, ou pas ? Si, j'ai un point avec mon. Ouais, donc ouais, non, c'est normal, ils sont là. 8 minutes 52... Et on va faire le petit jeu des persos qui vont être annoncés pour moi. Donc pour moi, il y aura Shadow et Ken en Echo Fighters. Ensuite, je dirais... Geno de Mario RPG Legend of Seven Stars, ce qui pourrait beaucoup demander. Vlad de Golden Sun. Un Pokémon, donc soit Felinferno ou Archiduc. Je pense que c'est Archiduc, mais jamais Pokémon. De comment ? Je pense que c'est Archiduc. Bah si, il y a Arbizarre. Enfin, il y a Pokémon Trainer, ouais, Pokémon Trainer. Ah, Pokémon Trainer, oui. Bah avec cet argument-là, Oratoria et... Ah non, il y a Greninja, donc non. Ah donc ouais, Archiduc, ça pourrait être une bonne solution. J'aurais bien aimé un personnage de Zelda.
Impa, par exemple, Impa, genre de Skyward Sword. La version de Skyward Sword de Impa, j'aimerais bien. Laquelle, la vieille ou la... La jeune. Ouais, c'est même pas tenir droit. Moi, je veux Todd. Non, ça ne me plaît pas trop. Ensuite, qui pourrait être cool? Je suis en train de réfléchir, elle, en fait. Salut Tom Pouce, bienvenue sur le stream. Bien sûr. Skull Kid, je sais pas trop. Non, clairement, je sais pas trop pour Skull Kid. Vous me dites si vous voyez des drops de frame au cas où. Encore nous remettre un perso de Fire Emblem. S'il doit y avoir un personnage de Fire Emblem, ça sera probablement DLC. Parce que le prochain Fire Emblem, il sort l'année prochaine. Ouais, il y en a trop, il y en a plein. En soi, si c'était pas Ultimate, on aurait probablement pu drop Roy et Lucina, je pense. Parce que tous les autres, ils ont un gameplay original. Ils ont peut-être changé le gameplay de Lucina. Lucina a pas le tipeur comparé à Marf. Lucina a pas le tipeur contrairement à Marf. Ouais. Ce qu'on a pu voir, c'était des démonstrations. J'ai pu tester Marf et il est plutôt cool quand même. Ouais, mais Marf, il y avait que Marf et. Et Ike, je m'en servais en FFA. Vu qu'il est lourd et qu'il prend des kills bêtement, enfin, c'est débile. Alors, j'ai un peu teasé le... Et le Inkling, il a l'air trop fort. Inkling est top tier. Inkling sera top tier. Bros. Direct. Réaction live. Encore 5 minutes. Je vais à Zelda alors. Comment ? Hein ? Tu joues à quel Zelda ? Bien. Oh, elle est bon. J'y ai déjà joué, mais je ne l'ai jamais fini. Aïe. Au pire, Ranger, essaie de faire des gifs. Essaie de faire des gifs. Comment ? Alors, 4 minutes 33, 32. Ouais, dis-moi quand il reste. Genre, 30 secondes ? Là, j'ai. Je profite de mon double écran là pour le coup. Faut le mettre, le double écran. Hein ? Faut le mettre. Je vois, il y a tous mes Discords qui sont en. Il y a tous mes Discords qui ont balancé des at everyone pour le direct. Alors que tout le monde sait que. Quand même, hein. Comment ? 40 minutes quand même. Ouais, 40 minutes, ça va être un truc de malade. Alors, regarde tout ce qu'ils ont déjà annoncé en 25 minutes à l'E3. Oui, j'ai pu brancher les deux écrans. Ouais. Si on montrait tous les persos, c'est bon. Ah non, mais en 25 minutes, tout ce qu'ils ont montré à l'E3. Bah oui, ils ont montré que les persos. Ils ont montré les persos, mais attends. Mais la vraie question, c'est qui va mourir pour présenter les newcomers ? Parce que Mario et Megaman, ils sont morts pour Ridley. Luigi, il est mort pour Simon Belmont. On sait pas s'il est mort parce qu'on voit son âme qui revient vers lui. Nintendo a dit que Luigi elle est bien. Ouais, parce que tu regardes à la fin.
à la fin, il y a Luigi revient, mais après on l'a... Et Dadidou est mort pour Carole. C'est ça la vraie question, c'est qui à mourir ? Moi j'ai... Franchement, je vois bien un perso Fireman. Ouais, non mais... Il y a peu de personnages de Fire Emblem qui peuvent encore rentrer dans Smash. S'il devait y avoir un personnage de Fire Emblem, ça serait Celica de Fire Emblem Shadows of Valencia. Parce que une, c'est une héroïne, et deux, c'est une waifu. Celica, c'est une prêtresse qui se bat à l'épée et à la magie. Et a priori, bah, son moveset est déjà tout trouvé, quoi. Genre, par exemple, son final smash, ça serait sa technique ultime, Ragnarok Omega. Ragnarok Omega, c'est littéralement une explosion nucléaire dans le jeu. Mais vraiment. Ouais. C'est littéralement ça. Je t'enverrai le lien. Attends. Ragnarok. Attends. Je pense que sur le chat de Nintendo France, ça doit être l'anarchie. Ah, mais mec, à mon avis, il y a plus quoi. Sur les. S'il y avait des. S'il y a des épées qui sont sorties. Alors. Ouais, ouais, 28, 27, 26. Tiens, voilà, regarde. T'as 45 secondes pour regarder ça. Regarde ça. Je triche. Je triche sur Zelda. Hein. Ah, on a pu voir mon magnifique fond d'écran sur le live. Ah, c'est vrai ça, vous le chat, vous attendez qui comme personnage? Il vous reste à peu près 50 secondes pour réagir, donc on peut dire. Donc le chat a 5 secondes de décalage avec moi. Ah, ça va. C'est absolument rien. D'habitude, c'est 40 secondes le délai Twitch, donc... Non, ça, tu peux le modifier, ça. Oh, bah... Ça dépend de ta viewer, combien t'as de viewer. Ça. Allez, encore 30 secondes. Oh, je suis tendu, là. Moi, je suis à 30 secondes maintenant. Attends, j'ai regardé si j'ai... J'avais pas mis le son du live. Je vais mettre un peu bas. T'as combien, là? Moi, je suis à 22. 20, 18, 17, ouais, 16. Comment? C'est grave. F5. Ouais, vas-y, bah fais vite. Là, 12, je suis à 13. 11, 10, 9, on a 2 secondes d'écart. Spoil. Allez, ça commence. Sinon, je te mute. Allez, ça commence. Allez. Peggy 12. Merde, j'ai pas de son. Je l'ai mis. Allez, oh là là, ça commence direct. Oula, ça peut être ça. Oh là 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 là. Ah, ça n'a pas annoncé le personnage direct. Ça va commencer, ils ont pas mis direct un personnage. Allez, c'est Kurai. Ouais. 74 personnages ce soir. Pokémon trainer を3体としたら74種類もの紹介をしています。スタッフ一同頑張りました。そしてこれから行う最後の紹介。わあ、OK。全員となります。では、ça va bouffer tout, ça va mettre tout le sel possible. Ils ont dit tous les personnages rêvés, tous les personnages du jeu là. Ah oui, non, Sakurai avait dit le 3 choix. Ah, nouveau perso. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça pourrait être Mac Rider comme il disait dans le leak? Oulala, là là, ouf. Non. Oh! Ken! Pouf! J'ai une amie qui va jouer là. Allez. Bah ça doit être un Echo Fighter. Ouais, bah ouais. Ouais, de toute façon Ken en Echo Fighter c'est obligé, c'est le premier Echo Fighter de l'histoire. Tu sais que j'ai jamais joué à ce jeu. Ah c'est vrai, t'as jamais joué? Non. Ah, il faudrait, ouais. J'ai la flemme. Ça m'intéresse pas un jeu comme ça. Oh là là, qui c'est derrière? Un personnage avec quoi à mon avis? Non mais il y a un personnage dont on a vu les yeux derrière là.
C'est qui derrière? Keo. Oh là là, oulala, 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 oulala. C'est Big Show. C'est qui? C'est fait l'inferno ou bien? Non. C'est fait l'inferno! C'est fait l'inferno! Mais ils l'ont vraiment mis! Ils l'ont vraiment mis! Oh là là! Ils ont vraiment mis l'inferno! Oh, je vais le jouer direct! Oh, je vais tellement le jouer direct! Mec, c'est mon start à peu près de la CD. C'était quoi? C'était. Il pique calibré aussi, il pique calibré en skin. Est-ce qu'il y aura d'autres starters? Attends, ouais, son final smash c'est Dark Body Press, son Z move. Ouais, normal. BAM! Swanton Bomb! Wouah! Je l'ai dit que refill l'Inferno! Moi je pensais plus à. Truc. Oh là là. Attends. Ah. Oh là là, oh la bannière. Je l'ai dit pour faire l'Inferno, je l'avais dit. Mais cette bannière, je vais la mettre en fond d'écran un jour. Bon, mon écran est en... Ok, donc Ken Echo Fighter. Non, mais c'est, tout le monde sait que c'est Ken le premier Echo Fighter. ケンはその後リュウに対してさまざまな違いがつけられていったのですが、スーパーストリートファイター2Xあたりをベースに制作しています。強勝龍拳は燃えます。ハブ拳の形が違います。 Ouais, mais trop de détails. Ça va être détail jusqu'à la... Ils en sont là pour le détail. Vous avez déjà à peu près tous les persos. Hein. Oh là là, ils sont si... il est sérieux, Sakurai. Ouais, il y en a qui est pas vite. C'est archi fou, c'est archi détaillé, il est vénère. Et Phil Inferno, ok. Oh, la musique, est archi, le remix de League Chopin Data Defense, il est super cool. Mais pas cette musique. Ah si si si. C'est dans Soleil et Lune. Ouais ouais. Oh la pause. Ah mais c'est la meilleure musique de Soleil et Lune ça. Non c'est pas la meilleure. Où est-ce qu'elle est pas la meilleure? Non non la meilleure mais musique c'est... la meilleure musique c'est le thème de Red et Blue. Ok donc Dark Lariat. Dark Lariat. Donc Dark Lariat ouais. Je crois. Ok. C'est archi cool ça. Ah oui, ils sont vraiment sortis pour quoi? Ah bah... J'ai un décalage, c'est chiant. Ah, attaque spéciale côté, non, c'est bien attaque spéciale. What? Mec, c'est le coup de la corde à linge, ça. C'est tellement ça. C'est du catch. Ah, parce qu'il faut... Ouais, faut, c'est un truc à timing. Vendetta, ah, ouais, c'est un contre. Yo. Oh, c'est bien contre. Ah, d'accord, ok. Ok, donc tu fais ça et après. Tu fais ça et après tu mets un. Après tu mets un smash. C'est bien fait parce qu'en tout cas, c'est pas comme ça, mais il y a aussi un truc comme ça. Casting complet. Sérieusement, c'était tout? C'était tout là? Vraiment? Attends, il y a encore Original 8. Oui, il y a encore 35 minutes de... Mais oui, c'est ça, il y a 6. Non, non, ça veut pas être tout. Ça veut pas être tout, il en manque 2 au moins. Il en manque au moins 2. Il y a un problème. Bien sûr. Moi, tu peux mettre encore 4 personnages. Au moins, tu peux en mettre beaucoup plus des personnages.
Ok, prend... les amiibo. Le Kling. Mais non, il y aura forcément des personnages en plus, ça peut pas être tout. Faut... Oh. Ridley. C'est ça, normal. Ils vont sortir. Waouh. Le Mewtwo Wolf. En hommage au collectionneur d'Amiibo. Ah, elle est très cool cette musique là, le remix de Splatoon là. Bah, ils vont prendre leur temps pour les Amiibo, c'est bien. Ouais, ils ont pas fait. Tenez, on vous sort tout d'un coup. Des icônes de jeux vidéo qui se rencontrent. Pardon, pas de trophée ? Quoi ? Oh non ! Merde, du jeu ! Bien sûr ! ファイター以外の様々な世界のキャラクターを訪ねるものを作りたいと思いました。そこで一つ考えたものがあります。それがスピリッツです。単体ではスピリットと言います。噛み砕いて説明しますと、ファイターがいろんなキャラクターから力を借りパワーアップして戦うことができる代理戦です。Qu'est-ce que c'est que ça ? スマブラシリーズはファイターたちはフィギュアという設定でイメージ内で現実世界への帰還を目指すことが一つのテーマになっていました。イメージだからこそありえない組み合わせが楽しめるわけです。その不思議な世界で最悪の事件が起こり、全てのキャラクターが体を失います。ファイター以外のあらゆるものが死年体と化し、死ぬまで aventure なくなってしまいます。これが、c'est la gueule d'un mode d'aventure en tout cas。ファイターはスピリットの力を使って、c'est très très chelou。そしてスピリットは、t'as des Pokémon et t'as des persos Snake à côté。ouais, y a Zero aussi。強さのランクがあります。一般的なのが動物。ちょっと強いのが砲。Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que... Sakurai, il a beaucoup trop réfléchi pour ça, en fait. Tellement réfléchi qu'on comprend rien. C'est ça ? Esprit de level. Oh là, on va devoir former. Oh, donc ça, on s'en fout, ça sera jamais autorisé en compétition, ça. アタッカーとサポーターをセットにしてパワーアップ完了です。コンバデスプリスピリッツを得るためには敵対スピリッツと戦う必要があります。スピリッツボードに様々なキャラクターが並んでいますので、戦いたい相手を選べます。戦いたい相手を選べます。するとなんとなくそのスピリットの特性や性格を持った相手ファイターと戦います。例えばジゲム&トゲゾーの場合、小さく赤いクッパをくれた犬と戦います。クッパクラウンに乗っているのがそれらしいですね。いくつかのバトル例をご紹介します。Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne veut absolument rien dire ? Oui. Ça, c'est une musique de Mega Man, ça. Ils ont pris l'une des pires musiques de Fire Emblem, ça. En fait, on dirait un peu le mode event. Un peu un truc de mode event. Moi, je comprends rien. C'est la meilleure musique des Zelda. L'une des meilleures musiques, en tout cas. Le banni, quoi ? Ah, ok, je comprends. C'est vraiment sympa. Ouais, enfin, c'est bien gentil, mais à quoi ça sert, en fait ? Ouais, c'est ça.
Ils ont fait tout un ratat autour du mode vert là, et j'ai l'impression que c'est un peu pourri en fait. Tu sens qu'ils vont nous faire passer tous les personnages? Ils vont passer faire quoi? Ouais, un peu, ouais. Ils pourraient. Ils pourraient. Ouais, c'est vraiment un mode event qu'on fait, au final. Ah, ils ont une bonne musique. Mais ouais, mais ça, c'est musique qui est déjà là dans Brawl, ça. Ouais.勝利したらスピリットを守る敵対ボディを吹っ飛ばすことでスピリットを得ることができます。仮にガードサークルに遮られてもシールド破壊が引き継がれますので次にアウト有利です。スピリッツには属性に対する相性があります。攻撃は投げに強い。攻撃は投げに強い。 相手によく属性を選ぶのがとても大事です。毒の床や眠りゆかなどトラップがあったり、メディアで確認。メディアメアパーソナルドグゼノブレイドだ、メオディパセ。メディアメアパーソナルドグゼノブレイドメオディラジャマセ。スピリットを味方につけると色々なことができます。 Mais pourquoi il y aurait ce mode spirit en fait? Mais je comprends pas en fait. Je sais pas, s'il y a un mode histoire, il nous accompagne, j'en sais rien. Pourquoi il y a trop d'ombre? J'ai pas compris. Pas très utile ça en fait. On va passer 20 minutes dessus. Ouais, ça fait ça, ça fait 10 minutes qu'il est là-dessus en fait. Il n'a pas pu révéler tous les personnages ces courageux là. C'est pas possible. Il y a un ou deux personnes, il a dit ça pour faire. Oui, bien sûr, ça doit être un prank. Ok. コレクションとしても豪華です。何種類いるのでしょうね。スピリッツとの戦いではチャージ切り札が自動で本になります。ゲージの上昇速度に影響するスピリッツも存在します。セコールさ、par contre。 一言で言えばスピリッツとは古今東西様々なゲームキャラクターとの擬態戦を楽しめる仕組みです。ありえない組み合わせのいろんな Kero utilise un truc qu'il avait dans Donkey Kong Country 2 en fait. Le tromblon, il utilise le tromblon qu'il utilise dans Donkey Kong Country 2 Kero. ouais, c'est logique ça. セット画面でワイボタンを押すと属性が勝っているアタッカーから見繕っておすすめしてくれます。仕掛けがある場合、対策になるサポーターを勧めてくれます。これは覚えておいてほしい操作です。そして、スピリッツをつけた対人対戦も楽しめます。 属性の相性があるので互いに選抜して出し合ったり、Le mode en ligne ça va être l'animalerie.
Ça va être le jeu de la série. Ah, multijoueur. Là, on parle de trucs intéressants. Je peux en mettre au moins, tu peux en, non 3 parce qu'il faut random aussi, 3. Ouais. Sinon random t'appuies sur une touche. Aussi. Il y a intérêt. Je peux te faire ban du coup pour... C'est intéressant. En tant que bug, ma connexion est stable. C'est quoi cette Smash VIP. Acheter les adaptateurs LAN à 30 euros. C'est ça. On peut mettre le mode spectateur. Ah, ça c'est cool. C'est cool ça. Donc il me donne 2. Tu peux faire des clips, du coup. C'est intéressant.
すごいインスタに。少し話題を変えまして、ファイターのステップレールアシストフィギュアのご紹介です。どのキャラクターがどの作品に出ているものでしょう。 Oh là là, ça peut être un nouveau perso ça. Non. Ça vient d'où celle-là? Elle vient d'où celle-là? Ah, Project Zero, d'accord. Fed. Oh non, Vlad Refed, non! Aïe aïe aïe. Oh non! Chevalier Nord, pareil aussi entre Fed. En même temps, les persos de Fire Emblem, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, bah non, mais je le voyais pas en jouable, je le voyais même pas en jouable. Ah! Ils sont bons, entre Fed. Ah, comment Kirby s'est fait prendre? Luigi. Oh, Springman, ok, un perso de Arms, il en fallait un. J'aurais quand même vu Trintel en perso. J'aurais quand même vu un perso d'Arms. En jeu pareil, j'aurais bien vu Springman en jeu. Dr. Wily. Oh Tiki! Encore du Fire Emblem. Hein. Oh bah, mais ils peuvent pas le mettre en jouable, ils ont passé de trucs pour mettre en jouable. Mais ce que je veux dire, il y a d'autres licences que Fire Emblem. C'est vrai. Oh Gail! Oh ils ont mis le thème de Gail! C'est vrai? Oh, j'ai tellement mettre le thème de Gale tout le temps. Oh, le chat fighter. Ok, donc les 59 trophées. Plus de trophées que perso. Ouais, il y a plus de trophées que perso. Autre fonctionnalité. とにかく ZRボタンでパレットを開いてここを選んでください。様々な手厚いガイドを見ることができます。OK, c'est sympa. Il y a en revanche du mal. 100人組手が今回も実装されています。Est-ce qu'il y aura encore le cruel espace surtout? いろんな戦場で遊ぶことができます。ということは音楽も自由に選びます。 オールスター組手は全員出現してからやっと遊べるようになりましたが、今回は最初から遊ぶことができます。その時点で使えるファイターがエンドレスで出現します。ビデオ。対戦のリプレイデータを残しておくことができます。それはすごい。動画に変換することができます。これ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 。
Ça a marché sur Smash 4, alors pourquoi le contraire? Magasin. Ah d'accord, on peut acheter les musiques, d'accord. Quoi? D'accord, ok. Acheter des musiques dans le jeu. Ok, il y a de l'argent. Option. Option は ZR ボタンのパレットからいつでも入ることができます。一つのソフトで世界11言語に対応しています。人によってはかなり大きい要素だと思います。Je crois que je vais mettre le jeu en anglais perso. ポケモンの声も各国で違いがあります。Non, en français ça change rien. 各国のファイター名も様々で。En allemand, c'est pas Aldeano. Non, je vais pas mettre les voix en français, j'avais oublié, c'était dégueulasse. Je vais mettre les voix en anglais ou en français, peu importe. C'est ok. Ça, c'est bien quand tu joues la nuit et tout. Ouais, pareil. Smash. Je vais faire sur la suite. C'est cool ça. もちろん通信対戦では適用されません。ダメージ。ミファイターズ。ミファイターのカスタマイズ、世界ができます。声の設定ができるほか、さまざまな服装があります。すげえ。ミーファイターの話が出たので、今回実装しているコスチュームを一部ご紹介します。Ce qui est bien, c'est que ça découvre des persos aussi et puis... Oh, trop bien. Très cool. Cette tenue, je la mets instant. Hein. Mmh. Splatoon. Par contre, les mis en Splatoon sont dégueulasses. Très. Ribbon Girl. Ça, ça va. Ça va, c'est pas clair. Ouais. Mais les yeux, c'est toujours bizarre. Chibi robot. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont vraiment fait ça? Visiblement. それはさておき、お伝えすべきことがあります。先ほど、製品版のすべてのファイターを紹介したと言いましたが、Voilà. DLC. ダウンロードコンテンツ制作決定です。すでに極めて多くの限界を超えたファイター数を実現した。C'était à prévoir les DLC, c'était à prévoir. Est-ce qu'il va encore y avoir le Smash Ballot ? Est-ce qu'il va encore y avoir le Smash Ballot ? 全員登場しているということは、過去に登場したファイターは一人もいませんから、すべて一からの制作になります。また、ダッシュファイターなどでもありません。Des 7, un combattant, un stage, puis un piste audio. €6. Ouais, season pass quoi. 5 persos en plus, d'accord. ファイターパスのようなものを作るのであれば、本来はその内容を分かった上で売買がなされるのが理想ですが、内容を明かさないままで発売になることをお許しください。くれぐれも納得した。お、t'inquiète pas que je le prendrai. J'ai vraiment l'impression d'être un pigeon à dire ça. Ouais, 25€. Donc il y a 5€ d'économie. ただ、制作が決まったからには相当に力を入れ、器用に作っていくつもりです。Qu'est-ce que vous allez dire ?
Attends, il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à dire. Oui, pardon. Est-ce que je vais faire une pause? Mais non, mais on les veut en personnage. Putain. Tous les fans de Xenoblade sont en pleurs là. Tous les fans de Xenoblade sont en pleurs là. Un an avant que tous les DLC soient disponibles, c'est normal ça. Bonus pour les premiers acheteurs. Oh là là, ça sent le drame. Ça sent le drame. Ça sent le drame. Pardon ? Quoi ? Pardon ? Il est sérieux ! Il est sérieux ! Oh, ils sont sérieux ! Oh, c'est génial ! Les clutches. Oh, c'est génial ! Le clutch tombe dans Mario Tennis. Ah, c'est génial. C'est clair trop fort en plus. Oh, c'est génial. Et ça va sans tête bail en plus pour le personnage. Oh, c'est génial. Oula. Oh, c'est génial. Ils ont vraiment fait ça. Oh, c'est génial. Et il reste 1 minute. Hein. Je t'avais dit que c'était pas assez. Mais je crois que personne l'a vu venir. Je crois que personne l'a vu venir celui-là. Rip Waluigi. Oh, c'est génial. これはスマブラスペシャルの発売より遅れて完成する見込みです。ある程度リードして作っていますが、配信までにおそらく1、2ヶ月ほどいただくことになりそうです。お、すげえ。パックフラワーは早期購入特典となります。パッケージ版はマイニンテンドーへのゴールドポイント登録をするだけで OK です。 Je pense que c'est sur. Je pense que c'est pour jusqu'à Noël, je pense. Okay. Ça se trouve, c'est juste les précommandes. Hein. Bien sûr, ouais. Waouh! Avant de nous quitter, ceux qui regardent depuis l'Europe. 欧州地域ではこれから様々な体験会が行われます。それぞれ全ファイター74を利用できる予定ですので、お見逃しなく。詳しくは公式ウェブサイトでどうぞ。以上をもちまして、大乱闘スマッシュ。ワンモアフィング。ナイス。スプレイパスト。 Voice acting. Oh,
Il y en a sur le set. Ça a l'air génial. Royal. Ils ont mis le voice acting pour le mode aventure, c'est génial. Ouais. Ah, c'est absolument génial. Je suis sûr qu'il a vu. On dirait Marvel Infinity War un peu. Thanos confirmé sur Smash Bros. Ouais, c'est ça. En fait, ils sont tous morts là. Ouais, c'est ça, ils sont tous morts. Et il y aura juste Shulk qui va. Et je demandais qu'il allait mourir, mais en fait là, ils sont tous morts. Ouais. Même lui! Il est enculé! Snake! Même Kirby? Non, il est où Shulk? Ah, Kirby est pas mort! Non, c'est les morts, je pense. Je crois qu'ils sont tous morts. Oui, ils ont pas montré Shulk en train de mourir. Mais je crois qu'il est, je crois qu'il est mort en premier. Hein. Je sais pas, j'ai peur. Nintendo Universe confirmé, t'imagines la théorie. Ah non, il est encore là, Kirby. Ouais, Kirby est pas mort. Oh, ils ont créé une chanson. Oh, la musique. Non. Je dirais pas un peu Star Wars quand ils se mettent. Quand Han Solo il se met dans le truc. Vite fait. Ouah, il est cool le mode aventure. Et du coup, on va commencer seulement avec Kirby. J'ai bien compris, ouais. Je pense que c'est comme ça qu'on va débloquer les personnages. Ouais, ça obligerait les gens à le faire. Oh bah. Quoi? Il se passe quoi? Waouh! Le fond est trop beau. La lueur du monde. Bon, bah, c'était tout. Une réaction? Une réaction? La fin est cool, le début, bof. Bah, tout le truc du mode esprit. C'est relou. Ouais. On nous a promis une date de Treehouse, donc je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais. Je vais regarder ça. Kirby boss, hein. Ouais, bah. Tiens, mais Après, ils ont vraiment mis la Piranha Plant, hein, c'est... Je crois que ça va être un... je crois que c'est le plus grand mème de l'histoire, cette plante. Waluigi à la poubelle, hein. Oh, mais c'est un mème, je suis désolé, c'est un mème. Ça, tu peux mettre ça dans la catégorie Meme Fighters. Ah, c'est fini.
c'est vraiment un mème. Enfin, je veux pas d'autre, je veux pas d'autre, je veux pas autrement. Ouais, bah ouais. Enfin, waouh quoi. Ils auraient pu mettre une démo en vrai. Ils auraient pu et dû mettre une démo. Ouais. Bon, je vais couper le stream ici.